Alors ici, vous avez l'Yonne et la Nièvre, elle est derrière la Cure, parce que Marigny, là-haut, c'est le pays où vous avez les grands séquoias, c'est Marigny-la-Ville. Oh, des bêtes, j'en ai beaucoup, beaucoup de trop. Je suis de permanence 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Des mères, genre, il y en a 90 mères qui veulent. Les taureaux, bah, celui-là, il vient de Côte d'Or, j'en ai qui viennent de la Nièvre et de Saône-et-Loire. J'en ai 4, inscrits au Airbook Charolais. Oui, avec toutes les descendances et tout. Et celui-là, il est Othello, il porte bien son nom, parce que Othello, c'était un général italien qui était jaloux. Et lui, il est très jaloux, parce que, bon, il est pas jaloux, et il garde son troupeau, parce que je lui en mets une trentaine de taureaux. C'est des vaches qui sont rustiques, qui veulent toutes seules, qui sont... Il faut faire attention, le taureau qu'on mettra sur les vaches. Pour le système de pâturage, eh ben, au départ, je les mets sur toutes les surfaces pour qu'ils broutent la pointe de l'herbe. Parce que la pointe de l'herbe, une fois que l'hiver est passé, c'est celle qui est la plus riche. Et c'est là où les animaux, quand vous arrivez à les lâcher au mois de mars, c'est là qu'ils grossissent le plus vite. Et ici, on arrive dans un champ, ça s'appelle la Ronce. Ben, je vais vous montrer la manière qu'on trouve les courants d'énergie pour trouver les sources. Partout dans la nature, je me suis aperçu de ça il y a longtemps, c'était en 76, quand je savais que ça se faisait. Et à chaque fois que j'avais pris une baguette, et ça me le fait, je le percevais à peine, et à chaque fois que je percevais un endroit, je mettais un jalon. Et puis, ben, j'avais rien trouvé parce que je ne savais pas. Et puis, les jours après, quand je suis revenu, je me suis aperçu que mes jalons formaient des lignes droites et qui se croisaient à 90 degrés. Alors j'ai creusé au croisement de ces courants et j'ai trouvé la source. Et c'est comme ça qu'après, vous avez, dans la nature, vous avez un plan géométrique et précis, et à ces endroits-là, vous avez les sources, vous avez tous les lieux de culte qui ont été créés, vous avez les passages d'animaux qui se font, ça forme des champs, à mon avis, électromagnétiques. Parce qu'à ces endroits-là, sur ces lignes et sur ces croisements, vous avez la foudre qui tombe. Vous avez l'eau et l'électricité. Et quand on passe sur un courant, c'est pas l'eau qui vous, à mon avis, c'est pas l'eau qui vous le, c'est pas l'eau qui vous, que vous ressentez, mais c'est l'électricité qui vient de la Terre, qui est la même que vous avez dans le corps. Et à mon avis, ça vous fait ça se contrarie, et c'est comme ça que vous le sentez. Et ça, c'est bizarre, je sais pas pourquoi des choses. Vous en avez, pareil, j'ai jamais vu faire, mais qui le font avec un pendule. Alors qu'ils prennent des pierres dans la main, soi-disant, je vous dis, il y a toujours une marge d'erreur. On peut pas dire à 100%. C'est là, et pour être sûr, il faut creuser. Mais où c'est qu'il n'y a pas de marge d'erreur, c'est quand c'est pas profond. Parce que quand c'est à 3-4 mètres, vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Mais après, quand c'est des plus profond, là, vers 5, 6, 7, 8 mètres, là, vous pouvez vous tromper. Bon, si vous creusez encore, de toute manière, vous la trouverez. Ah ben, parce qu'un jour, j'avais vu mon grand-père qui le faisait, lui, cherchait les canalisations. Et il m'avait parlé, il m'avait dit, avec ce système, on peut trouver, les sourciers s'en servent pour trouver les sources, quoi. Alors c'est pour ça qu'un jour j'étais tout seul, j'essayais de trouver ma source, sans trop y croire la première fois. Et alors c'est facile, parce que c'est la nature qui vous donne l'outil. Il suffit de trouver une baguette. Là c'est du noisetier, mais autrement on peut le faire avec n'importe quel bois. Regardez, là elle se met à tourner. Vous voyez, c'est la baguette qui tourne dans les mains. Les mains bougent pas, c'est la baguette qui tourne. Celui-ci, c'est celui qui vient, qui est axé comme ça, le sens là. Alors je m'en écarte, et pour retrouver l'autre, je fais une circonférence et je retrouverai l'autre ici. Et donc la source, elle se trouvera à peu près, j'avais marqué le point, elle se trouvera ici. Alors regardez, quand je vais tourner autour du point, j'en trouve 1, 2, 3, et le quatrième. Alors ici, vous avez le croisement des courants, le croisement de mes lignes droites. Si vous êtes à cet endroit, vous êtes fatigué, vous prendrez l'énergie. Ça fatigue de le chercher. Mais si vous avez besoin d'énergie sans le chercher, je ne sais pas pourquoi, mystère de la Terre, vous prendrez l'énergie à cet endroit-là. Alors là, je vais compter la distance du point en reculant pour trouver la profondeur. Il
24 mètres, à peu près. Je compte avec la baguette le nombre de mètres cubes que vous aurez par jour. Alors je compte mentalement, je vous le dis, je compte. J'ai compté jusqu'à 10. Alors d'après moi, il y a toujours une marge d'erreur, elle sera à 24 mètres et il y aura 10 mètres cubes par jour. J'ai déjà essayé au pendule, mais ça me rend, ça, j'aime pas trop parce que c'est pas, je suis pas trop, pas aussi précis qu'avec la baguette. Et puis je trouve pas quelque chose de concret. J'ai déjà essayé, mais j'aime pas. Et puis ça vous rend un peu barge de faire ça. Après vous insistez, vous trouvez pas. Et il y a un jour vous trouvez, vous croyez que vous avez la science infuse. Et puis le lendemain, ce qu'il faut pour arriver, à mon avis, pour être trouver les sources et comme ça, il faut atteindre la neutralité. Et c'est le plus difficile à faire. Alors là, vous pouvez la tenir, si elle tourne dans les mains, si vous aviez des poignées, elle casserait. Et la source, avant, dans ce pré-là, la source, on pouvait mettre une quinzaine de vaches parce que ça ne suivait pas, parce que la source n'était pas au bon endroit. Entre l'endroit de la source et là où elle coulait, il y avait une perte d'eau. Alors il a suffi de trouver le bon endroit pour avoir la pleine puissance de la source. On est en plein sur la source, et avant que l'abreuvoir, il se trouvait ici, là-bas. Mais là-bas, il y a de l'eau qui allait quand même, mais il y a de l'eau qui se perdait. Et autrement, j'ai mis un tuyau qui va de ce puits-là et qui coule ici. Et les vaches, ils l'ont un peu abîmé. Mais regardez un peu comme elle donne. Mes grands-parents, ils habitaient ici. Et quand j'ai passé toute mon enfance ici, alors le matin, le curé m'appelait pour aller servir la messe. Alors, comme j'étais à côté, il m'avait appris la messe, parce que dans ce temps-là, c'était en latin. Et puis autrement, le jour des rogations, avec le prêtre, on allait bénir toutes les croix. Les rogations, c'est au printemps. On allait bénir toutes les croix de la commune. C'était pour bénir les champs, pour bénir les récoltes. Mais alors, les croix, on n'en oubliait pas une, hein, il y en avait partout. Alors, sur Montigny, dans les hameaux, il y en a plein, parce qu'il y en a qui sont disposés dans le centre du village, mais il y en a à l'extérieur. La croix était fleurie, les gens du village se réunissaient au pied de la croix. Et je servais, moi j'y allais en aube, lui en habit de prêtre. Et dans tous les villages, il donnait des œufs, du beurre, il y en avait même bien de trop pour vivre.